balobi mama mardi nde mama mardi nde balobi shop Africa Union ezo teka nyoso biloko ya ya wanani yo kongole olingine ko na yo a sali sa yote pona kolia na yo moko babonde la yo pona mtoto na yo moko ya ele popo babonde la yo balobi bio bio Africa Union ezo teka tuta ko na basiwa sino kolia pa ya sino kolia ni Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Je reçois le professeur André Mbata. Encore une fois, comme je l'ai toujours dit, le professeur André Mbata est un habitué de cette émission dans son sens pédagogique. On va aujourd'hui essayer d'éclairer. Vous avez suivi dans mes émissions Critique Info 1, Critique Info 2. Je l'avais très bien dit que je laisserai la primeur au professeur André Mbata pour poser des questions. Et donc aujourd'hui, vous allez certainement apprendre comment ça se passe très généralement. Entrons directement, sans perdre beaucoup de temps. Professeur, comment allez-vous? Je vais bien, Christian. Je rappelle que vous enseignez dans plusieurs universités à travers le monde. Vous enseignez en Afrique du Sud, vous enseignez ici au Congo. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et donc vous êtes parmi ceux qui ont fait tomber le bureau Mabunda. Bon, absolument. Je suis, comme député national, nous avons contribué à faire tomber ce bureau incompétent. De l'honorable Mabunda pour incompétence notoire et caractérisée et à partir d'une pétition qui était donc lancée et en vertu des dispositions pertinentes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment l'article 26. Donc le bureau Mabunda est tombé. Nous avons maintenant un bureau provisoire, je dirais, en attendant un bureau définitif. Donc l'Assemblée nationale dont je fais partie maintenant est en session extraordinaire. Alors, professeur André Mbata, en votre titre de professeur, je voudrais, avec tous les auditeurs et les internautes, qu'on puisse comprendre une chose. Quelle leçon vous tirez de cet épisode? Parce que c'est inédit, depuis que notre pays est RDC, on n'a jamais vu, un basculement d'une majorité en pleine session, je veux dire en pleine législature. Quelle est la leçon à tirer dans toute cette histoire? Bon, c'est une question importante que vous soulevez là. Effectivement, dans l'histoire constitutionnelle et politique de notre pays, cela n'est jamais arrivé. Oui. Donc nous sommes, c'est l'histoire au quotidien, c'est l'histoire immédiate. Nous sommes en train de vivre l'histoire et ce sont les générations futures qui vont apprécier. Parce que lorsque vous vivez les événements, vous ne savez pas le sentir. Mais les moments que nous sommes en train de passer sont des moments historiques. D'abord, il y a ce changement de majorité, oui, en pleine législature. Est-ce que c'est permis par la Constitution? Il y a toutes ces questions. Est-ce que c'est permis par le règlement intérieur? Est-ce que c'est possible? Donc, c'est nouveau. C'est pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle de notre pays et même dans l'histoire constitutionnelle de plusieurs pays du monde. Je crois que vous avez des téléspectateurs en Amérique, en Europe, en Asie. C'est difficile même sur le continent africain. Comment est-ce possible qu'on change une majorité en cours de législature? Comment est-ce possible qu'un président de la République, qui ne disposait que de quelques députés à l'Assemblée nationale, arrive finalement à voir, à compter une majorité écrasante. Une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est possible? Comment ça s'explique? Politiquement, je ne sais pas, mais sur le plan du droit commun, est-ce que c'est possible ce qui s'est passé? Donc, à toutes ces questions, je suis là pour répondre. Alors, merci de m'avoir invité. Nous voulons comprendre d'abord, professeur, une leçon morale et politique, et même de droit. Comment c'est possible que les députés qui ont été enregistrés sur des partis politiques, sur la liste des partis politiques et sur la liste des regroupements politiques qui même appartiennent à des regroupements politiques au sein de l'Assemblée nationale, puissent quitter ce bord pour un autre bord sans perdre leur mandat et leur siège, constitutionnellement
Comment ça s'explique? Bon, cela, ça s'explique. Parce que vous savez, en vertu de la Constitution, on ne perd son mandat que si on quitte son parti politique. Oui. Mais le parti politique est différent d'un groupe parlementaire qui va se constituer à l'Assemblée nationale. Donc, on peut quitter, lorsqu'on perd, on quitte son parti politique, on perd le mandat. Mais lorsqu'on quitte un groupe parlementaire, on ne perd pas le mandat, on devient non inscrit. Ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Et puis, lorsqu'on quitte, on perd le mandat. On quitte, c'est-à-dire d'une façon active. Ce n'est pas parce que lorsque vous êtes chassé de votre parti politique, mais lorsque un député national lui-même, d'une façon délibérée, il écrit même, d'une façon délibérée, il quitte le parti et sur la liste duquel il était élu, ce député-là perd son mandat de député au terme de la Constitution. Mais lorsque vous chassez seulement ce député-là, alors que lui-même, il reste membre du parti, il ne perd pas le mandat. Donc voilà, donc ça s'explique et au terme de la Constitution, au terme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais depuis l'histoire de notre pays, ce n'est jamais arrivé. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, mais parce que c'est inédit, parce que c'est la première fois, d'où vous trouvez l'expérience et les mots et les termes pour asseoir cette pensée ou cet argumentaire? Je crois l'argumentaire, on a souvent dit, on a souvent entendu, avant que j'arrive, on quitte. Je vous avais dit la fois passée, il y a des regroupements qui ne sont pas constitutionnels. Quitter le FCC. Le FCC, c'est un fait juridique, comme on dirait. Il n'a pas de personnalité juridique. Le FCC n'est même pas connu à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un groupe parlementaire FCC. Comme la MUCA, comme la MUCA. CASH. Non. Oui. Comme la MUCA, mais il y a par contre un groupe parlementaire CASH. OK. Vous comprenez? Mais le FCC est inconnu. Donc, lorsque vous quittez le FCC, l'Union sacrée pour la nation, à ce stade, il n'a pas de personnalité juridique non plus, l'Union sacrée pour la nation. Si. Il n'en a pas. Il n'en a pas, oui. Non. Donc, quitter le FCC pour adhérer à l'Union sacrée de la nation, on ne perd pas le mandat. Est-ce que ce n'est pas une transhumance déguisée, finalement? Une consécration de la transhumance? Non, c'est-à-dire, il y a ceci aussi. La transhumance, si c'était consacré, si c'était des personnalités juridiques, on pourrait peut-être parler d'une transhumance. Mais lorsque vous partez d'un fait juridique à un autre, à un phénomène juridique, je ne pense pas qu'on puisse parler de la transhumance. Bon, disons aussi ceci. Cela s'explique aussi par l'interdiction du mandat impératif qu'on trouve à l'article 101 de la Constitution. On ne l'avait jamais compris. Et pour la première fois, je crois, malgré toutes les hérésies qu'elle a elle-même commises dans le passé, la Cour constitutionnelle, pour la première fois, elle est venue nous éclairer. Parce que ça vous arrange. L'article 101, parce que ça rend les constituants, parce que c'est ça la volonté du peuple. Depuis longtemps, l'article 101 dit ceci, un député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Oui. Et c'est le peuple congolais qui en a décidé ainsi. C'est la volonté du constituant que le député national représente la nation. Et écoutez, Christian, et tout mandat impératif est nul. C'est dans la logique des choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Est nul. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un représente la nation, je suis allé à Dimbelenge. Oui, mais je représente toute la nation. Je représente la population congolaise qui est à Bunia, à Butembo, à Sakania, qui est à Fizi, qui est à Boma, à Matadi et partout ailleurs. Comme député national, je les représente. Mais écoutez, une personne qui représente la nation tout entière, il ne peut pas recevoir des instructions d'un individu. Même si on l'appelle une autorité morale. L'autorité morale représente qui? Moi, tant que député national, je représente la nation. Dis-moi, dites-moi, Christian, la fameuse autorité morale, elle représente qui? Elle ne représente pas la nation. Mais tous ces députés. Elle ne représente pas la nation. Oui. Moi, je représente la nation. En vertu de quoi? Je peux recevoir des instructions. Ne votez pas. N'allez pas. Abstenez-vous, sortez. En vertu de quoi? Mais quel est le sens que vous donnez aux disciplines des partis, professeur? Est-ce que cet arrêt n'a pas finalement détruit les partis politiques? Non, il n'a pas détruit. C'est-à-dire les partis, vous ne pouvez pas faire un État démocratique sans des partis politiques démocrates. Oui.
Vous comprenez? Exactement. La démocratie, vous ne pouvez pas faire avec des partis autoritaires, soumis à des autorités, soumis aux caprices des autorités morales, des partis autoritaires, antidémocratiques, où un individu se met là, il a décidé. L'autorité morale a décidé. Avec des partis de ces gens-là, comme on en a trouvé au OCC, vous ne pouvez pas faire un régime démocratique. Mais la discipline d'un parti, prof, quel est le contenu que vous donnez? Le parti comme l'UDPS, vous êtes membre de l'UDPS. Oui. L'UDPS dit, ne votez pas pour telle réforme, ne votez pas pour telle loi. Et vous, André Mbata, vous dites, non, moi, le mandat impératif est nul, moi je voterai pour cette loi-là. Est-ce que ce n'est pas une consécration de la discipline? Non, la discipline du parti, c'est autre chose. Bah, expliquez-nous. Disons, la discipline du parti, mais je paye mes cotisations. Oui, je paye mes cotisations. Oui. Quand il y a des activités du parti, il m'est demandé de le faire. Je vais, j'anime les conférences. Oui. Oui. Alors, la ligne du parti, pour l'UDPS, oui. Encore une ligne de tout. Le peuple d'abord. Oui. Vous comprenez? Le peuple d'abord, c'est que même si c'était au niveau, heureusement que ça n'arrive pas, au niveau de l'UDPS, vous venez me dire non. Nous avons une autorité morale qui décide de tout. Je vous ai dit qu'à l'UDPS, on n'a pas d'autorité morale. Oui. Chez nous, c'est le peuple d'abord. Et donc, il n'y a pas de discipline. Même la discipline du parti, n'est-ce pas? La discipline d'un parti démocratique doit être calquée sur la volonté du constituant. Le constituant veut établir un état de droit démocratique. Donc, pas des consignes. Les consignes, s'il y a des consignes, ils doivent aller dans le sens de satisfaire l'intérêt du peuple congolais. Qui n'est pas toujours l'intérêt du président de la République. Non! Parce que le président peut dire, par exemple, nous voulons déplacer l'aéroport de Ndjili, on va l'amener à Bandal. Le peuple d'abord, les gens de Bandal disent non, nous ne voulons pas. Bon, il faut voter une loi. D'abord déplacer un aéroport, ce n'est pas le président qui va le dire, c'est le gouvernement de la République. Ce n'est pas une loi Ça ne passera pas par une loi à l'Assemblée nationale ça peut venir. Alors, vous allez voter oui ou non. Si vous, votre parti dit, vous allez voter, nous, et votre peuple dit, on ne veut pas, vous faites quoi? Nous apprécions. Oui. C'est-à-dire, c'est ça, parce que tu vois, l'interruption de mandat impératif, c'est aussi lié à la liberté. Toute personne a la liberté d'opinion. Ok. Vous comprenez? C'est lié à cela. Ce n'est pas parce que je suis devenu député national que j'ai renoncé à la liberté d'opinion qui est un droit fondamental. Et puis, j'ai toujours dit ceci. C'est que l'autre peuple a voulu dans ces pays, ce n'est pas un régime des partis politiques. Entre un parti politique et le peuple, il faut privilégier le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement du peuple. Nous n'avons pas voulu instaurer dans ces pays un gouvernement du PPRD, de l'UDPS ou d'ensemble. Non, c'est le gouvernement du peuple congolais. Donc, la discipline du parti, les partis doivent en tirer des leçons. Parce que la plupart de nos partis sont autoritaires. Je comprends très bien. La plupart des partis politiques au Congo et ailleurs en Afrique sont autoritaires. Vous avez une autorité morale et ne parle pas beaucoup parce qu'elle a décidé. Vous avez quelqu'un qui fait le pont entre les deux, qui vient vous dire au d'ordre de l'autorité morale. Ce sont des partis dictatoriaux. On ne peut pas construire une démocratie avec des partis qui sont antidémocratiques. Tout comme on ne peut construire la démocratie qu'avec des démocrates. Donc, à partir de cet instant, chaque parti doit comprendre. Il y a une discipline du parti qui est là, n'est-ce pas? Oui. Mais la discipline du parti, même quand vous faites des ordres, vous faites des instructions dans votre règlement intérieur de vos partis politiques, faites en sorte qu'il ne lèse pas les intérêts du peuple souverain. Aujourd'hui, vous êtes député national. Je le souhaite pour que vous le soyez encore peut-être demain. Mais après 10 ans, Félix Tshisekedi va partir. Quelqu'un d'autre viendra. Est-ce que vous serez prêt à assumer les conséquences de ce que vous faites aujourd'hui? Parce que demain, quelqu'un peut devenir président. Et vous avez la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et il vous faut exactement ce que vous faites là. Comment vous allez vous sentir? Écoutez, vous parlez au professeur Mbata Christian. J'ai dit depuis le début, ce n'est pas nouveau. Oui. Félix Tshisekedi, président de la République. Mais ce président ne fera que 2 mandats? Oui, on en veut bien. Mais après 2 mandats. Non, après 2 mandats, il part. Ben alors, l'Assemblée nationale, vous allez la laisser dans ces conditions où les députés ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous n'avez pas consacré la République des députés? Non, c'est la République du peuple, c'est la démocratie. Hein? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Nous avons consacré le gouvernement du peuple. Kabila a fait ça pendant 18 ans. Kabila n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il paye. Kabila paye pour ça. A consolidé à travers pour un gouvernement personnel. Son gouvernement, un gouvernement d'un parti politique,
un gouvernement d'une autorité morale. Ne me dites pas que M. Kabila a passé 18 ans consacré. Sinon, on aurait lutté pour quoi? Ce serait la catastrophe. Mais il a passé le temps à consacrer un régime pour ses personnels. C'est pourquoi nous l'avons combattu. C'est pourquoi nous avons refusé un troisième mandat. Il vous a laissé le pouvoir, soyez élégant, prof. Non. Non, il faut retirer, M. Christian. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais dire que Kabila a laissé le pouvoir à quelqu'un, c'est insulter tout un peuple. Ce peuple, ces gens sont morts. Les Kapangala, tous ces gens que vous connaissez, ces gens sont morts là. Pourquoi? Ils ne sont pas morts pour la démocratie. Et vous allez dire, c'est Kabila vous a laissé le pouvoir. Ça, c'est insulter tout un peuple. Ça, on ne vous laissera pas faire. Aucune arrestation. Ce n'est pas votre point de vue. Aucune arrestation. Aucune arrestation, malheureusement. Hein. Bien qu'il y ait tout ça, vous nous avez parlé d'un état de droit, vous nous avez parlé, puis l'état de droit s'est arrêté avec le procès Kamere, et puis on n'entend plus rien. Non. L'état de droit, ce n'est pas la première des choses. L'état de droit, et nous nous battons, nous allons nous combattre avec l'état de droit. C'est quel état? C'est un état qui est soumis à la Constitution. Et l'état de droit, ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi, président de la République seul. C'est notre affaire à nous tous. Lorsque, par exemple, vous êtes journaliste, vous renoncez à votre liberté parce que vous dépendez d'un propriétaire d'une télévision qui vous impose sa dictée. Mais vous participez à la mort de l'état de droit. Il y a des chaînes de télévision. Et imagine, je vais à une télévision, le pauvre Mbata va à une télévision, il passe une émission. L'émission ne passe pas, il est censuré parce que le propriétaire est lié à l'ancien régime. Et le journaliste, on comprend pour nécessité de survie, d'emploi, les journalistes sont là-dedans. Mais vous, vous êtes un journaliste qualifié, vous connaissez votre droit, le droit d'opinion. Et d'ailleurs, vous avez quitté une chaîne de télévision dans le passé. Bien évidemment. C'est-à-dire, les gens peuvent le faire. Vous ne pouvez pas renoncer. Donc, c'est aussi votre affaire. L'état de droit, c'est l'affaire des députés nationaux. Vous êtes député national. Est-ce que vous avez compris que vous représentez la nation? Oui. Si vous avez compris. Mais vous allez vous soumettre à la dictature d'une personne qu'on appelle autorité morale parce qu'il vous a donné 2 000 $ pour faire une campagne électorale. Est-ce que 2 000 $ de financement d'une campagne électorale peuvent payer la liberté d'un élu? Mais c'est ridicule. Vous pensez que ceux qui ne vous suivent pas dans la logique de l'Union sacrée sont des prisonniers de la pensée unique d'une autorité morale? Mais oui. D'abord, l'Union sacrée, vous avez vu. Nous sommes nombreux. Vous avez des gens qui viennent de partout. Dans l'Union sacrée. On sait toujours pas si c'est sincère. Hein? Bon, ça c'est autre chose. Ouais. La sincérité, je ne connais pas le baromètre. Ça, on verra avec le temps. Mais dans l'Union sacrée, vous avez aujourd'hui plus de 50 députés qui appartiennent au PPRD. Oui. Et ils vous disent eux-mêmes, ils vous disent... Vous me demandez moi de penser? Ils vous disent que c'est la pensée unique là-bas. Eux-mêmes le disent. Pourquoi vous voulez demander au professeur André Bat? Pourquoi acceptez-vous d'accueillir à bras ouverts des enfants qui ont trahi leur père? Pourquoi vous acceptez de les accueillir? N'avez-vous pas peur qu'ils vous trahissent aussi? Non. Vous voulez dire que tous ces gens-là, qui allaient à Kingakat et ailleurs, l'autorité morale, c'était leur père, de tous ces vieux. Non, mais quand même... Mais ils chantaient à l'honneur et à la gloire. Il faut savoir peser les mots. Vous pensez que tous ces gens, comme on a vu à la file, tout le temps aller à Safari Lodge, Bouela Lodge, c'est papa parfois de 80 ans, ou comme le premier ministre qui en a 76 ans, et vous pensez que l'autorité morale qui a qu'une cinquantaine, il est son père? Mais vous connaissez, il y en a qui ont rampé, qui ont dit que Kabila était leur père. Olive Lem était leur mère. Ils disaient papa et maman. Alors, vous n'avez pas peur qu'ils vous trahissent aussi? Ouais. Non, écoutez, c'est justement, nous n'avons pas, parce que la vie, c'est une vision, vous adhérez à une vision. Une vision d'un Congo nouveau, ce n'est pas de trahir. Vous n'allez même pas trahir le Félix Tshisekedi, président de la République. Posez-moi la question, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il trahisse le peuple une fois de plus? Là, vous vous cachez toujours derrière le peuple, tout le monde parle du peuple, Kabila parle du peuple. Non, mais pas parce que... Alors, on ne sait pas finalement qui est... Vous allez trahir ça. Ce peuple. Moi, je ne suis pas propriétaire de l'Union sacrée. Oui. L'Union sacrée n'est la propriété de personne, parce que vous, la question de vous poser la question, vous n'avez pas peur qu'ils vous trahissent? Non. Ils ont à la face du monde. Personne, vous les avez vus devant les caméras de la télévision. Et même qu'ils vous disent, là-bas, c'était l'enfer. C'était la pensée unique. Nous avons décidé aujourd'hui de servir le peuple et le peuple d'abord. Alors, ils viennent, le peuple prend acte. À coup d'argent, vous leur avez donné de l'argent. Il y a un député qui a dit qu'il a eu 15 000 $, vous le connaissez. Non, pourquoi vous réduisez à cela, 15 000 $? Mais c'était de l'humour. Il faut utiliser aussi l'humour. C'était l'humour. Mais vous n'avez pas que ça. Tous les gouverneurs de province,
Vous oubliez de dire que tous les gouverneurs de province, sauf un seul. Ils ont eu peur de l'Afrique de son nom. Ils ont été corrompus. Si on ne vient pas, on va nous chasser. Non. On nous fera tomber. Non. On ne va chasser personne. Parce que vous disposez d'une arme atomique. Quelle arme atomique? Ben, de les faire tomber. Non. De les révoquer. Ils ont adhéré, vous les avez écoutés. Ce sont des personnalités qu'il faut respecter. Et ils vous disent eux-mêmes que nous étions du mauvais côté. Ils le disent publiquement. Alors donc, vous voulez nous dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a violé aucune disposition de la Constitution? Et n'a fait que l'interprétation était claire, c'est pour les gens qui ne comprenaient pas. D'accord. Comment un représentant de la nation, qu'on se mette un peu cette figure-là, comment qu'il représente, quelqu'un qui représente toute la nation, il va recevoir des ordres d'un individu? Cet individu-là est le président de son parti, l'autorité morale de Mais sa plateforme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un parti? Un parti, c'est un fait. Un parti, il ne faut pas confondre un parti politique à une république. Mais c'est d'abord un fait privé. C'est un fait privé. Alors, vous allez comment un président... C'est un fait privé. Mais un acteur de la démocratie, un acteur politique très important, le parti politique. Un acteur politique, oui. Mais il y en a combien dans ce pays? Il y a plus de 600 partis politiques. 600 partis politiques. Il y en a plus de 600 dans ce pays. Il y en a quand même dans ce pays, franchement. Bon, voilà. Oui. Donc, on ne peut pas suivre ça. Mais il faut qu'on comprenne... Ça va beaucoup changer les choses. Oui. Quand vous êtes président d'un parti, dites que vous comprenez que vous n'achetez pas les députés. Il faut changer le mindset. Un député ne renonce pas à sa liberté parce que vous lui avez donné 3 000 $ aller en campagne. Ou parce que vous êtes sur ma liste, la liste de mon parti. Renoncez. Non, aucun parti n'a jamais... Alors, je comprends très bien. Vous donnez donc raison à Martin Fayulu et aux autres députés qui avaient refusé d'écouter Étienne Tshisekedi, qui leur avait demandé de quitter l'Assemblée nationale. Et on dit ils ont agi au nom et pour le compte de leur du peuple. Donc, eux n'avaient pas tort, alors, dans ce cas. Mais non, moi, je ne veux pas donner tort. Je donne raison à la Constitution. Christian. Oui. Je suis constitutionnaliste. Tout mon travail a porté sur la défense de la Constitution. Ne me citez pas un individu à qui je donnerai raison. Si, mais lui, il avait déjà agi avant. Non. Il avait dit, on n'entre pas dans ça. C'est moi, c'est le prof Mbata que vous avez devant vous, qui vous a toujours dit qu'il faut respecter la Constitution. Et cette Constitution l'a dit que le mandat impératif est nul. Bon, je donne raison à moi-même. Donc, nous comprenons que Martin Fayulu et tous les députés qui avaient désobéi à Étienne Tshisekedi avaient désobéi à un mandat impératif. À un mandat impératif. Mais est-ce que vous avez compris que même... C'est pourquoi l'UDPS est le parti le plus démocratique. Vous dites qu'ils ont désobéi. Oui, ils ont désobéi. Et ils ont continué à siéger. Non, mais ils ont siégé. Pour le compte de l'UDPS. Vous les avez exclus du parti. Ils ont toujours été UDPS. Mais vous leur avez dit que c'était exclu du parti. C'était une auto-exclusion. Vous qui parce qu'ils représentaient l'UDPS là-bas. Mm. Donc l'UDPS s'est donné des leçons. Hein? Ils représentaient là-bas. Et chez nous, c'est quoi? C'est la beauté à l'UDPS, c'est quoi? Même quand un président, même quand le pauvre Mbata se rend compte qu'il peut s'être trompé, hein, il change. Parce que nous n'avons pas la vérité absolue. Parce que tous les hommes sont faillibles déjà humainement. Vous comprenez? Et ici, nos députés, vous donnez un bon exemple. Nos députés n'ont pas, à l'époque, ils ont siégé. Et ça, c'est en vertu de la Constitution. Ils l'ont fait, le mandat impératif est nul. Je l'ai toujours dit, je le maintiens. Donc, ce n'est pas nouveau. Très bien. Alors, on va poursuivre. On prend un autre chapitre. Je vais parler de l'Union sacrée, monsieur le professeur. Ne craignez-vous pas que l'Union sacrée se transforme en une sorte de Léviathan ou alors en une sorte de grande kermesse où l'on distribue des postes aux uns pour les calmer, à d'autres un peu d'argent pour les retenir? Bon, de quoi il faut bien comprendre l'Union sacrée. Oui. Et tout le monde donne sa définition de l'Union sacrée. Hein. Tout le monde ne peut pas donner parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé l'idée, c'est Félix Tshisekedi. Oui. Tout le monde n'a pas eu l'ingénieuse idée de créer une Union sacrée. C'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui. Et c'est lui qui doit nous donner l'interprétation. Parce que si vous dites tout le monde, c'est qui? Mende a parlé de son union sacrée. Steve Mbika a parlé de son union sacrée. Martin Fayulu a dit que c'est la deuxième grossesse. Tout cela n'ont fait qu'adhérer à l'idée du président de la République. Sauf Martin Fayulu. Oui. À l'idée du président de la République. Donc, ici, ce que je dis, c'est quoi? Comprenez que l'union sacrée, ce n'est pas seulement une union politique. Et ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi, ni des députés nationaux.
Mais c'est l'affaire de tout un peuple. Le plan qu'il a tracé, la vision qu'il a eue d'un Congo fort, pour bâtir un Congo grand, au cœur de l'Afrique, cette vision-là, qui est au centre de l'Union sacrée, c'est une vision de chaque Congolais. Il n'a fait que traduire la volonté de tous les Congolais, exprimée d'ailleurs dans le préambule, animé par une volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. C'est notre vision commune. Ne laissez pas l'Union sacrée, ne considérez pas que c'est une affaire de Félix Tshisekedi ou de politiciens. C'est une affaire à nous tous. Ou de députés. Ou de députés. C'est une affaire à nous tous, des intellectuels. Et vous savez, c'est un courant. Un courant ne tient que quand il y a des intellectuels qui ont un grand rôle à jouer. Mm. C'est toute une révolution. Alors, mais quel est le rôle de l'intellectuel dans l'Union sacrée? Le rôle des intellectuels. Les intellectuels doivent trouver leur rôle de faire en sorte que cette vision-là d'une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique, qui est au centre de l'Union sacrée, cette idée-là puisse se matérialiser finalement. Une nation puissante qui est en paix avec elle-même et avec les autres. Mettre fin à la misère, mettre fin à cette dichotomie, à ce paradoxe d'un Congo potentiellement très riche, mais avec l'une des populations les plus pauvres du monde. Mettre fin à cela, c'est au cœur de l'Union sacrée. Alors, et ça, une telle Union sacrée intéresse tout le monde. Ce n'est pas une affaire des politiciens. Et on n'a pas à craindre que ben, vous trahissez l'Union sacrée, mais vous trahissez. Vous trahissez vous-même ou vous trahissez votre propre peuple. Alors, au sein de l'Assemblée nationale, on sait que c'est là l'enjeu. Le véritable enjeu, c'était un enjeu parlementaire. On a eu beaucoup de députés, ils ont accepté de partir, très bien, de vous suivre dans la logique de l'Union sacrée. Mais alors, le président dit, par exemple, que lui, il n'est pas autorité morale, il ne veut pas faire des autorités morales, il ne veut pas non plus appeler des gens des transfuges, c'est des hommes et des femmes qui ont pris une décision au cours de l'histoire. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire avec une nouvelle manière de voir les choses, ou Félix Tshisekedi fait l'Union sacrée pour sa survie et sa maintenance politique, son maintien politique? Non, mais écoutez, Christian, dans tous les cas, ce que Félix Tshisekedi fait, c'est tout à fait nouveau. Il écrit une nouvelle page de l'histoire de ce pays, ouais, à sa façon. Il écrit. Qui pouvait croire qu'après une année, on a dit que c'était un président marionnette, Panthère, c'est vous, placebo, un président pantin, une marionnette, et on l'a fait? Qui pouvait croire qu'on pouvait arriver aujourd'hui à l'Union sacrée? Et les mêmes personnes qui l'ont insulté hier, beaucoup qui l'ont insulté hier, lui donnent finalement raison, viennent adhérer à ce... Qui pouvait y croire? Félix Tshisekedi écrit une nouvelle page dans l'histoire de ce pays. Et sur ce point-là, il fait une chose qu'aucun autre président n'a faite avant lui, dans ce domaine. Vous l'avez dit vous-même, changer une majorité en cours de législature. Ouais, ouais. Ça, aucun président ne l'a fait. Aucun président l'a fait. Ouais. Donc, Tshisekedi Félix est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Comment elle finira l'histoire, on ne sait, ouais, pas encore. Comment ça va finir? C'est tout à fait une histoire nouvelle. Alors oui, allez-y. Donc, on est là, l'Union sacrée, et vous avez vu tous ces changements qui sont en train de s'opérer, qui vont s'opérer. Et c'est lui-même le président qui avait dit Moussa Kissaloumeban. Mm. Le travail commence donc, il a reconnu, on vient de passer 2 ans de distraction. Mm. Maintenant, les choses commencent. Et puis, il y a des choses que je vous ai déjà dites dans des émissions antérieures, Christian. Moi, je vous ai dit que nous n'avons pas d'autorité morale à l'UDPS. C'est ce que le président a fait. Ben, il a répété, il a dit qu'il n'y a pas d'autorité morale. Il n'y a pas d'autorité morale. Et puis, lui, il n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas cette histoire-là. La fois passée, pour moi, on doit organiser un deuil. On a levé le deuil des autorités morales. Vous ne savez pas? Si, oui, avec l'arrêt de la Cour. Oui, on a levé le deuil des autorités morales. Et vous avez même fait un article pour ça. Mais oui. J'ai invité les gens à venir à la levée du deuil des autorités morales parce qu'elles sont mortes. Et l'autorité morale, pour nous, c'est le peuple et le peuple d'abord. Et puis, on l'appelait comment? Autorité morale. Mais on avait des autorités morales immorales. Totalement immorales. Donc, une autorité morale immorale. Mais oui. Quand vous détournez les biens de tout un peuple, quand vous faites tout à votre avantage personnel et non à l'intérêt de tout un peuple. Mais c'est, quelle autorité? C'est une autorité morale immorale. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'Union sacrée. Je voudrais maintenant qu'on entre dans une autre question. Ah, c'est la question à laquelle les gens s'attendent à beaucoup sur la question. Professeur, le premier ministre de notre pays joue quel rôle d'abord? Mais le premier ministre, c'est un personnage important. Il dirige l'un des organes. Mmh. Si vous voyez l'article, je crois, 68 ou tout ça,
vous avez les institutions de la République, vous avez le gouvernement. Et vous avez donc le gouvernement qui est cité là. Oui, c'est l'article 68. C'est l'article 68. Oui, le président de la République. Premier article, premier point. Deuxième institution, le Parlement. Troisième, le gouvernement. Oui, donc c'est lui qui dirige le gouvernement. Et vous avez, ça c'est clair à l'article 90 ou 90, on vous dit le Premier ministre, il fait quoi? Il est qui? Alors, nous sommes à l'article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et des vice-ministres, et les cas échéants, des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre. Stop! Il est dirigé par le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Oui. Donc, il est central. Oui. En cas d'empêchement, oui, son intérim est assuré par les membres du gouvernement. Donc, il est le chef du gouvernement. Donc, un personnage clé. Il est le chef d'une institution, de l'une des institutions. Oui. Et qu'en fait le gouvernement? L'article 91. Parce que le Premier ministre, on dit à l'article 90 ou 90, il est le chef du gouvernement. Oui. Et qu'en fait ce gouvernement-là? Il définit, le gouvernement définit. C'est le gouvernement qui définit. Quoi? En concertation, oui, avec le président de la République, la politique de la nation. C'est le gouvernement qui définit. Ouais. Même si la concertation vient après, ouais, mais qui a le, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Et il fait quoi? Continue. Et en assume la responsabilité. Il en assume la responsabilité, c'est lui. Ne venez pas nous dire, Félix Tshisekedi a fait ceci, cela. C'est voilà, le gouvernement. Non, c'est vous qui définissez la politique de la nation, même si vous étiez concerté avec lui. Et c'est vous et vous seul du gouvernement qui en assumez la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Arrêtez. Il conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République. C'est lui qui conduit dans le domaine de... On parle par exemple à Bounia, à Boutembo, on tue nos compatriotes, la sécurité. Mais ça fait pas la politique. Ouais. La politique la défense, étrangère, la défense. C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Ouais. Et pour ce gouvernement de M. Ilunga Ilunkamba, le pauvre Ilunga Ilunkamba, mais c'est un gouvernement qui a été incapable sur toute la ligne. Un gouvernement incompétent, c'est pourquoi il y a eu cette motion de censure contre tout le gouvernement. Et demain mardi, comme il a été appelé, demain nous allons... Je vous avais déjà dit ça. On en parle. Je vous avais dit qu'avant la fin du mois, on aura fini avec Ilunga Ilunkamba. Alors, je crois que demain, on finit avec lui. Très bien, on en parle d'abord. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre le Premier ministre et le Président de la République? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre les deux? Bon, mais il, c'est possible, il peut y avoir. Oui. Il peut y avoir. Et qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous êtes à la tête de l'État, oui, hein, vous devez, c'est parce que vous devez collaborer. Oui. Le président, c'est le chef de l'exécutif. Vous comprenez? Vous devez collaborer. Il peut y avoir, vous devez en tant que Premier ministre, si vous êtes compétent et si vous êtes capable. Le président a une pensée, je vais vous dire, mais Excellence, Monsieur le Président, et voici, moi, nous pensons au niveau du gouvernement, ceci, je démontre parce que je suis capable. Parce que je suis compétent. Le président va dire, ah, c'est comme ça, allons-y. Alors, donc, vous savez, vous avez peut-être des choses sur lesquelles que vous ne comprenez pas de la même façon, mais parce que vous êtes capable et compétent, vous pouvez faire changer parce que vous êtes le gouvernement. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un bras de fer entre les deux? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Lorsque vous n'arrivez pas à faire cela, il y aura un bras de fer. Alors, il y aura un bras de fer. Ça, c'est solde. Et donc, dans le cas d'espèce. Oui, par exemple. Ça, c'est solde, comment? Le bras de fer. Ça se solde comment? Oui. Bon, vous savez, le président, lui, c'est le chef de l'État, l'exécutif. Vous n'allez jamais, il ne partira jamais. C'est vous qui allez partir. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Alors, monsieur le Président. Et il faut savoir gérer cela. Maintenant, c'est Ilunga Ilunkamba qui va partir. Dès après qu'il a Lubumbashi, mais il doit revenir. Il va payer les pots cassés. Je voudrais qu'on aille méthodiquement pour que les gens comprennent. Oui. Professeur. N'ayez tout le monde à l'ingala, côté Wana. Ah, alors, professeur. Yozan a conçu ce mambo qui est belé. Est-ce que Nabamboka Moussou se komara n'engue komi en lélo que Premier ministre a boi que ça la marambo président lobby, Premier ministre a côté en contradiction, la président de la République, a boi peut que démissionner, pe a simbi pe pour naïta en ogi que ba tchè motion, y a zu pe pour pe, tant que pe par lobby bien, n'a qu'on a l'autorité morale, ou a voua nomma kingai, ou a pe sa ki combo pour que ba nomme ngai. Est-ce que cas de figure ou a des faits déjà Nabamboka Moussou quelconque? Et c'est la makate. Et c'est la makate. C'est pourquoi Banamboka, il faut bailler parce que Banamboula mi balet, Tozala qui n'a gouvernement. Tozala qui n'a gouvernement, il y a la République. Premier ministre, il y a un premier ministre, il y a autorité morale, il y a qui est au Talawan. Ce n'était pas un premier ministre de la République.
Premier ministre, il faut être homme d'État, intérêt à peuple. Au thème, à Kamoya Parti, il y a aussi. Mais il y a toujours bien que ça, l'Assemblée nationale, ok, il n'y a pas d'autorité morale. Attends, à proposer qui est. Ordonnance au Etiaké Naki, Premier ministre. C'était Félix Tshisekedi qui avait signé. Et le président l'a payé. Parce que tant que Zaki a Yuma, c'était plusieurs propositions. Yuma, il y a un bic rouge. Oh, tant que va baisser comme il y en a, il y a prof, il y a un kambakanissier, c'est un professeur, il y a un collègue. Il y a un peu de Azana grade ya suka professeur tazaka professeur associé ata Salim Salebe. Mais ya kanisi bo aza professeur yo le kira grade na campus. Mais ya za débutant non. Ngala za mu kona ngala za professeur ordinaire premier ministre aza na grade yo ba suite doctorat ba bandaka wana. Donc on a na makambo ya jete. Donc ndenge po former ngala ko mapeka bungu na ko na bandana nuana. Oko bandawana. OK. Professeur associé za ndé début ya carrière. Soko l'équipe professeur associé ko mi professeur full. Donc, comme professeur ordinaire, au bien que professeur Mbata, donc, sous Kayoana, il va grève. Donc, premier ministre, il a le coup. Donc, il connaît le mot. Na ngomba kuna a le coup la. Balek Nabiso. Balek ou Babani Moussala, va professeur. Donc, toi, tu as ma wana ou ma ngomba. Donc, président, quand il s'est dit, n'a joué. Peut-être à cause de l'amboka. Mais c'est toute la déception. Aza ko sa lamboka ta zaki ko sa ande autorité morale peuple congolais mde akewa pitozo zela na parlement ake ko sa la rapport parce que binu bozo zela na parlement parce que ba tobalo biboye ba professeur mbata ba député ba zela président ba zela premier ministre aya akoya ndenge ni devant quel bureau pour bureau ala li bureau ala li bureau d'âge ala li bureau provisoire bon bureau ne ko e ko entendre ndenge ni parce que bureau selon bango ba lobi que bureau za kaka na mission yako. Ça, la scrutin, qu'organiser l'élection, et puis qu'on va dans un bureau définitif. Bon, vous avez ma coquille, il y a un premier ministre Ndengeni. Christian, Gana Kanesi, le Moutouno est très très important. Est-ce qu'il faut que ça, la conférence de presse, il y a un journaliste, sinon c'est à Congo, il y a un politicien, il y a habité. Et puis, il y a un coronavirus, ce n'est pas possible. Problème, Tozali Nango, Nambo, Koyo, Ezali Nini. Bato bazo mona ezali ça c'est conforme à la constitution bayebi makambo wana te pinza batanga ngoku tuté tolo bana monoko nini. J'ai déjà dit ici que tout juriste n'est pas constitutionnaliste, tout le monde n'est pas juriste, tout juriste n'est pas constitutionnaliste, et puis tout constitutionnaliste n'est pas bon. Donc bayeba ngo wapi hôtel ma conférence de presse à l'intention de la communauté internationale et internationale Félix Tshisekedi azo veut le constitution yo yiba constitution wapi. Hein? Non! Nous sommes pas professeur, le roi, yo! Là, t'as dit que le professeur, moi, le bien. N'a pas encore ma couna. Ce que vous savez, informatique, autant que trop, wapi. Tu as fait la pédagogie, autant que ça, que ce qui n'a eu peine, yo, autant que droit, wapi. Tu peux expliquer aux gens? Ce que vous savez, chimie, moi, je suis à la géologie, ce qui n'a pas Japon. Autant que géologie, dis-moi si tu as déjà suivi un cours, il y a droit dans la formation, na yo, en tant que géologue. Oya Kolobano, la constitution. Est-ce que Batalisa Koutou est constitution Zakanine? C'est ça la catastrophe du Congo. Tout ce monde que vous suivez, au Akei Wapi, Bosolo dans la politique, Top Congo, B1, Aye Koutou et Painayo, RTNC, Radio Okapi, vous avez appris la constitution où? Quelle autorité vous avez pour vous prononcer? Ce qu'on a kota, Wana Bakolobano, prof, Azobaka, Nazobaka le bateau, c'est question d'autorité. Natangelo, professeur, comme ça, vous avez une idée? Oui. Et à lobby. Azali, professeur, comme on est professeur Banza. Avec professeur Lubumbashi, je crois. Alors, je conseille au Premier ministre de résister, ne pas démissionner, ni se rendre au Parlement. Il est dans la légalité. Il faudra attendre la mise sur pied du bureau définitif et attendre la session ordinaire. Agir autrement, c'est violer la Constitution et les lois de la République. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga, étant légalement établi dans sa fonction, il ne peut pas démissionner sans motif valable. C'est un légaliste, il n'est pas dans le jeu politique. Bon, gana ko répondre na leki wana. Eh? Nazo lo baboye. Ba ngonde baboma ki autorité morale, Joseph Kabila. Omane makam bazako non, l'autorité morale a dit c'est quoi bazawa? Coordonnateur FCC azawa. Eh? Bâtir cour à cour constitutionnelle, ba juge, nous n'allons pas obéir à la cour constitutionnelle. Boza ko na cour constitutionnelle pour nani? Tu as vu PPPD? Oui. ERC ba kay recours. Mais boke kuna ndenge ni? Parce que quand on a installé le juge, vous n'êtes pas venu comme. Ils sont où maintenant? Prof, wana bangonde bazo boma, bangonde baboma ki autorité morale na bango. Et puis, na kanisi autorité morale na bango, zana kanda makasi.
Alors, il y a un peu de temps, il y a un premier ministre. Peut-être qu'il y a un premier ministre démissionné, alors. Peut-être. Bangonde Babomi, le malheur est à présent et à Kalakabi, les années. Il n'a pas eu de grand constitutionnaliste. Le malheur de Joseph Kabila, il n'a pas eu de grand constitutionnaliste. Non, il a eu quand même, il y a eu professeur Bouchab. Pas. L'affaire reconnaissait. Ou il n'a pas su les écouter. Ah, peut-être. Ce cas, il n'a pas su écouter. Attends, tu conseilles à qui? Ce cas, il président, il n'a pas su conseiller à qui? Donc, il n'a pas su écouter. Alors, parlez-nous. Alors, j'ai dit ceci. Oui. Premier ministre Makambouana, ce qui a été lobby mardi, cette semaine, tu as eu l'ongolaï. Mais comment beaucoup ça l'air hein? Votre procédé n'est pas. Parce qu'il y a deux questions. Là. Oui, question à tout le monde. Tout le monde est sur le bâtiment. Kende Malembe. Tu as invité le professeur André Mbata, constitutionnaliste. Posez un gars une question, je réponds. Ok, tout le monde est là. Oui. Est-ce que bureau d'âge est en qualité il y a que le premier ministre? Réponse. Est-ce que bureau d'âge était. Attends, bureau d'âge est comme le premier ministre. C'est l'Assemblée nationale. Un bureau à Zana Makoki, il y a Kolungola, premier ministre, il y a ministre. Vous allez comprendre? C'est l'Assemblée nationale qui a ce pouvoir-là. Donc, Awa Narikamboyo, il y a un message. Et ça, bureau d'AGT, Bisso, bah, député, il y a un bureau d'AGT. Bisso, nous, les députés, nous avons dit, nous allons l'enlever. Nous avons déposé une motion de censure. Réponse, bureau d'AGT, il y a un bureau Kolungola, il y a un bureau. C'est l'Assemblée nationale qui a ce pouvoir et dans ce cas précis, c'est l'Assemblée nationale. Alors, le rôle du bureau d'âge, Kassina Marambo, parce que lui, il faut bureau définitif. Donc, c'est un concept. Un bureau est aligné. Au monnaie à Otubandi, tant que c'est une session ordinaire, c'est ça le problème. Il y a un constitutionnel, c'est bien. Bureau d'âge a consulté, ça les recours dans la cour constitutionnelle. Au monnaie. Est-ce que tu as convoqué? C'est une extraordinaire. C'est ça avoir des juristes, pas de Tintin. Batobazo tanga constitution comme si ils lisent les aventures de Matamata et Pilipi. Aussi tanga aventure Tintin et Milou, Tintin au Congo, tanga. Si, si, RG, il y a des gens au Congo surtout oui. Naïfs, c'est batanga constitution le coup l'aventure à Tintin au Congo. Ici, donc Bazui Maele, on a eu l'autorisation, la cour constitutionnelle a autorisé. Le bureau on a continué Moussala Naïe. Et puis, la cour constitutionnelle Wana, et s'est référé à l'article Mibale. C'est pourquoi ceux qui vont aller bander comme ça, il faut avoir de bons juristes et des constitutionnalistes. Il faut en avoir. Preuve, na sina édition Moussous Wana, la preuve que FCC a zéna ba constitutionnalisité. Ngata na mikanda Mibale. La constitution, le règlement. Donc, on se le nom mikanda, on se le nom texte. Na zéna au Kozanga. La preuve, c'est Zandengini. Basalaki balingaki basa la pétition contre le bureau d'âge. Oyoka kango. Si si. Basenge interprétation ya. Yakou. Interprétation. Tanga na article 161. Nana gogo senga interprétation. OK. Article de constitution. 161 constitution. 161. Nana gogo senga interprétation en constitution. La cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la constitution sur saisine. Sur saisine. Du président de la République. Président de la Koukouma, à Senga, interprétation. Du gouvernement. Gouvernement à Koukou Senga. Du président du Sénat. Président du Sénat. Du président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. D'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires. Oui. Des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. Point. Mais tant que Bandeko, PPRD, Otangi, non. Président, gouvernement. Président du Sénat, Assemblée nationale, bah gouverneur. Non, bah dixième, un dixième. Bah un dixième. Bah tu as FCC, bah tu dis PPPD, parti beaucoup. Na RRC, bah qu'est-ce que c'est un interprète. C'est beaucoup qui 50. C'est beaucoup qui 50. C'est ça lié un dixième. Oh, il y a ça lié action et ça lié PPPD. Un dixième, ce qui basali, bateau à partir Mingé, on a signé honorable Mbata, honorable Christian Bosse. On va dire honorable la fois prochaine. Il faut qu'on t'en parle, mais pour éviter le cas où il y a Bosso Tobo. Amen. Donc, au moment, bah, comme PPPD à 5, RRC à 5, est-ce que Batanga qui a pris le loin? Yo, quand même, Batanga, on a besoin de consoler, c'est la carte de la Bango. On ne pouvait pas le bloquer de monsieur, arrêtez. Est-ce que Batanga, on a besoin de consoler? Attends, Moko. Au Missimi Moutoubou. Est-ce que Bazana consonaliste?
Bon, Tozon Gassiko, Ozan attend au Ming Naipi. Donc, c'est un défaut de qualité. Un dixième, et va être un Ning Bagan à PPD. Non! Non! Est-ce qu'un parti politique a qualité pour demander un recours à l'interprétation? Non, pas du tout. Au moins, il y a Okuna. Mais le PPD, c'est un regroupement politique. Non, il va m'embêter. Est-ce que Bazokuna? Balobi, il y a un regroupement politique. Comment vous pouvez être Boloba qui vous en a majorité? FCC Mobimba, Ata juriste, Moko Bosengata, bah, étudiant, on a formé dans une équipe, n'était pas au conseil BIM. Bon, tant qu'un Nesiko, le bureau provisoire a 5 recours à l'interprétation, va bah, autoriser Yé pour à convoquer session extraordinaire. Écoutez maintenant la gymnastique juridique. Tant qu'on va recevoir action à une cour constitutionnelle, va reconnaître le pouvoir, il y a bureau et l'Assemblée nationale. Tant que le président Mbosso a commis la cour constitutionnelle, aux allées juristes, c'est pourquoi dans l'émission, on a l'ingé qui n'a pas abandonné le Congo base. Parce que les allées journalistes, les allées journalistes, ils allaient payer mon juriste. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis un média. Parce qu'on invite les profs, venez passer une interview en droit. Ils n'ont pas de juriste. Donc ici, à Congo base, vous avez un juriste lui-même à poser la question à la constitutionnaliste. C'est différent. Tant que le bureau provisoire, l'article 161, a 5 recours. Bandimi actionnaire dans la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle peut être saisie seulement par le président de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, un bon ce président va bah, reconnaître le pouvoir du président de l'Assemblée nationale. C'est une erreur ou une gymnastique non. Constitutionnelle en cas d'urgence, on lui a reconnu ça. Ouais. Et puis, il peut agir en fonction de l'article 114 et 116 de la Constitution. 114. Tanga 116. Chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Voilà. Article 116, c'est le Kounan Arrêt à Cour constitutionnelle. Bah, reconnaître Mbosso, pouvoir amener, il y a président à l'Assemblée nationale. Et puis, bah, autoriser à convoquer. Session extraordinaire. Et session, il peut convoquer la session extraordinaire. Vous allez comprendre? C'est ainsi qu'il a convoqué, c'est lui qui a convoqué cette session extraordinaire. Et n'est pas convoqué par la Cour. Au moment de autant que ça a droit, la séparation des pouvoirs au Montesquieu, à Tangisak, à Komaka Nango, na juriste Moussous, à Banglais, John Locke, à Komaka Namokanda, na traité sur le gouvernement civil. Montesquieu a connu Makambouana na Mukanda na Munene. Et tant que Makambouana Mokini Mobimba. L'esprit des lois. Makambouana, la séparation des pouvoirs. Pour battre Montesquieu, pour éviter la dictature, il faut pouvoir Ezala et Akokabouana séparer. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, na pouvoir judiciaire. Des théories wana. Pouvoir Akota, Ata Ezali au Banglais, Babengi, checks and balances. Donc, poids et contre-poids, pouvoir Ezala séparer. Cette session extraordinaire, elle est convoquée par qui? C'est par le président de l'Assemblée nationale, mais sur base d'un arrêt. Parce que la Cour ne peut pas elle-même convoquer une session extraordinaire, sinon elle va violer le principe de la séparation de pouvoirs. Mais à autoriser président à bureau de à convoquer, comme président de l'Assemblée nationale, à convoquer session année extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé. Hein? Oui, oui. Sur un ordre du jour déterminé. Si, si. C'est l'article 100. C'est 116. Chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé. Oui. Sur un ordre du jour déterminé. Va convoquer. Bon, maintenant, il y a quoi qu'on convoque? Aux années Mikado, 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 article 34. Article 34. Point 6. Tangam, puisque yo, comme aux années juristes, c'est ça l'intérêt. Oui. Article 34.6. Convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du bureau. Ben, en gandana, non, et bandé Nango, qui convoque? 34 et Bandé Nango. 34. Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Oui. À ce titre. Le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale des directions et des représentations de l'Assemblée nationale. À ce titre, il accomplit notamment les tâches ci-après. Six. Oui. Sixième tâche.
convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Stop one. Ouais. Mbosso a convoqué. Il agit comme le président de l'Assemblée nationale. Donc cette session extraordinaire n'est pas convoquée par la Cour constitutionnelle. Mais plutôt par le président de l'Assemblée nationale. Par le président de l'Assemblée nationale. En vertu de tous les articles. Oui. Okay. Mais sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? Par qui? Mais c'est celui qui convoque, qui détermine. Au moment qui décide en Mbosso était. Si. Tu l'as? Non, non, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, oui, ouvrez. Ouvrez-le. Non, parce que ça, ces choses doivent être très claires. Pour nous inviter à Amalgame, na batente ou na baguignol, toza na bango. Décision Yangoy. Ok. Décision. On va toquer Mbamoro. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend les matières ci-après. Poursuite de l'examen des pétitions à charge d'un membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Projet de loi des ratifications. Contrôle parlementaire. Soukawan. Donc, il faut que nous avions dit que dans l'émission, il y a le droit constitutionnel approfondi. Est-ce que vous avez donc, il ne faut pas tenir le boye. Oh, on a dit que le bureau provisoire est à la boye. Oh, on a dit que le bureau est à la boye. Non. Constitution et lobby boye, article 116. Session extraordinaire est convoquée par le président de l'Assemblée nationale. Cour constitutionnelle, Nabiso Nabaré, et reconnaître Mbosso comme si c'était le président de l'Assemblée nationale. Session extraordinaire, après l'article 116, peut être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Article 34, Christian Attangi, il y a un règlement intérieur et lobby. Le président de l'Assemblée nationale accomplit les tâches suivantes. Point 6, 34.6, convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Ordre du jour déterminé par qui? Ce n'est pas un ordre du jour déterminé par le FCC. Par le président. C'est un pain déterminé par la Cour. Un ordre du jour déterminé par le président. Quand tu vois les alliés, ratification, il y a traité. Mais comment la matière de traité n'était pas prévue et tout ça. Pourtant, ils ne peuvent pas comprendre la constitution Bilokoyo. Hein? Oh, mais pourquoi est-ce que le contrôle parlementaire et tout ça, ils ne peuvent pas comprendre ça, Christian. Justement parce que vous avez amené le niveau Licolo au point de nous dire que bureau et Assemblée nationale avaient agi le rôle de la présidente. Mais quand moi je viens ici, le professeur Mbata, est-ce qu'il faut que c'est cette émission, c'est Congo Buzz qui doit donner aux téléspectateurs, c'est la qualité ici. Alors la différence entre le bureau d'âge maintenant et le bureau définitif. Et maintenant, au cours de cette session extraordinaire, vous savez ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle était convoquée par le président du bureau d'âge, adressant comme président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, on va élire le président du bureau définitif. Oui. Le président du bureau. Oui. Vous savez qui va clôturer cette session? Qui? Mais président du bureau définitif. En principe de la continuité, toujours. Non, c'est-à-dire, quand c'est Mbosso, le président Mbosso, quand on l'élit, le président, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Azu Marto, il fait son discours, et puis Azu Marto, je clôture la session extraordinaire, c'est lui qui va clôturer. Donc, si on élit Liaou, c'est Liaou qui clôture. C'est Liaou. Si c'est Liaou, s'il a la chance d'être élu, c'est lui qui va clôturer. Si c'est le pauvre Mbata, c'est moi qui aurai le marteau. Nabeti, c'est moi qui veux clôturer. Donc, vous clôturez une session que vous n'avez pas appelée. C'est comme ça. Oui. Parce que c'est prévu. Si c'est Mbosso, c'est Mbosso, c'est lui-même qui va clôturer. Mais à nous, à une autre qualité. Président élu. Donc, c'est prévu dans. Est-ce que c'est compliqué, Koyoba Makamboy? Alors, maintenant aussi, on nous vous dit. Tu vois, au courant de la même session, Tobandaki n'a président à bureau d'âge. Tokosuka n'a bureau élu. On ne vous a pas dit que pour nous ratifier, Bozelana nos élections à président du bureau définitif. Ce n'est pas dans l'ordre du jour. Vous devez comprendre. Mais pourquoi le bureau d'âge? Il fallait baser la présidente du bureau définitif. C'est ça la décision. C'est ça la constitution. Et c'est ça le règlement intérieur. On n'a pas dit que Bozelana nos bureaux définitifs et puis Boya conseil la contrôle parlementaire, ce n'est dit nulle part. Où est-ce qu'il tire cette chose-là? Mais parce que dans la négociation, dans la nomenclature, dans l'alignement, l'ordre du jour, on peut changer. Ah, beaucoup changer. Le plus important, c'est que l'ordre du jour soit adopté. Et ça, tes problèmes, il y a hier. Non. D'accord. Il ne peut arriver, par exemple, tant qu'il y a ratification à loi. Loi Yango est noté.
à toi, Banamaka Moussous. Parce qu'effectivement, vous ratifiez pas avant l'élection, alors que l'élection est alcoolo à ratification. Oui, donc ce n'est pas cet ordre du jour. Le plus important, c'est que ces matières-là soient prévues. Alors, tout le monde a connu. Et puis, on a dit nulle part que pour qu'on convoque le Premier ministre, il faut être à la bureau définitif. Bah, c'est ça qu'on encourage. Bah, qu'on ait un matanga. Bah, qu'on ait une retraite, s'il y a un constitutionnaliste, professeur, autant que professeur à droit, si. Il va voir ce qui va arriver au pauvre Ilunga Ilunkamba, parce qu'il n'a pas voulu éviter le ridicule. Il va le conseiller quand il sera censuré demain. Alors, sauf si nous sommes très fatigués. Il va le conseiller quand le pauvre Ilunga ne sera plus Premier ministre après demain. Comment ça va se passer demain? Ça va se passer demain. Par exemple, nous, il faut qu'il rentre de Lubumbashi. Mais s'il ne rentre pas. Aya, aya, te. Mais. Mais Jean-Marc Kabound, on a fait une action contre lui, Jean-Marc Azak n'a s'arrêté. Est-ce que les gens ne savent pas, est-ce qu'ils sont les années? Notre président a eu UDPS. Jean-Marc Kabound. Mais Balongula Kekuna, est-ce que Jean-Marc Azak n'a s'arrêté? Donc on prendra une décision sans Azala Zalate et Talibinoté. Non, on va même faire un débat pour montrer Azala Zalate. Est-ce que ce qui est un ministre, il fallait pas démissionner. Avant? Avant. Ah d'accord. Et il jouait rôle. Oui. Il jouait rôle d'abord pour nos ministres, montrer qu'ils ne sont pas solidaires d'un premier ministre défaillant, oui, mais ça incompétent. Mais ça n'allait pas rendre le gouvernement défini, le gouvernement... démissionnaire. Non, mais s'ils étaient, ça n'allait pas le gouvernement démissionnaire, oui. Mais du moins, ils allaient laisser toute la responsabilité sur le Premier ministre. D'accord. Parce que si la motion de censure, ce n'est pas contre le Premier ministre seul. Oui, c'est contre le gouvernement. C'est lui, incapable et incompétent, avec tous ses ministres d'État, ses vice-premiers ministres, ses ministres délégués, tout le monde est incompétent, incapable. La motion de censure, c'est contre eux tous. Mais ce qui va démissionner qu'avant, Balinga qui va se retirer, va lobby incompétent de mon conseiller, le Premier ministre. Alors, mais si on est tourné à niveau, donc, lobby pour ça la réunion, pour ça la session à Bino. Et il y a une technique. Tu vas à 13h, tu vas aux Elaïe. Ok. Tu vas aux Kitinaïe, président à Nabiso, à Zako dirigé. Ok. Aïe, Azali. Ok, Aïe, tu vas passer un bot. Et, Bakosien Ganane, bah représentant, bah motionnaire. Batanga motion, parce qu'il faut que je baille quand même. Pourquoi? Pour nani le bowling ball censuré. Il faut batanga nyon soan. Et puis il y a à se défendre. Il y a à se défendre. Le col à Mabunda. On aura Mabunda, c'est qui Bolanda qui. C'est la même chose, non? Bonjour à convaincre Bino Kassina va défendre. Ce qui a convaincre Bissot, tout est qui est. Mais est-ce qu'il y a la capacité à convaincre Bissot? Est-ce qu'il y a Moto Azali incapable pendant 2 ans et puis incompétent notoirement? Il va convaincre des professeurs d'université. Cette assemblée-là est peuplée de gens. Il y a Mayel et puis Bato, Baningimbo, Kanabango. Donc, si on va convaincre, dans tous les cas, on ne peut pas prédire. Il peut nous convaincre. Hein? Mais je me demande par quel miracle à convaincre Bato, Nengene Azaki compétent. À se défendre. Et puis, Bissot Bamoussou va intervenir à Bamoussou, va causer la paix. Ok. Va charger Libosso. Boye, Bosaraki, Boye, Makambouya, S1, insécurité dans l'Est, c'est ton gouvernement. Le budget a été réduit, c'est ton gouvernement. La lutte contre pour la pacification du Congo, c'est ton gouvernement. Économie est quittée, c'est le problème à Félix Tshisekedi, c'est ton gouvernement. Mamba Covid, c'est toi. Bana bazo tanga classe, enseignement supérieur est coupé, chômage est allé. Bon, awa, na ba ingé, na ba chinois, ba bandu ko sa le ministère ba congolais. On ne respecte pas le Congolais. C'est pris, même au palais du peuple. Ba chinois bazo tongre ba député nan ba veste. Aussi au monde congolais. Nan est tailleur congolais, à Kenen Nanyu Delhi, à Salé, Nan est bavé, c'est pas ba député Nan est indien. Bah, Olingate, même pas. Non. Alors, tout après, ça, il doit nous expliquer. Enseignement, Nabiso, Kouindengenini. Aucune université, à Tatozolo, bah, université, prof des universités, prof, bah, université, bah, étudiant à l'université, Nazar, recteur. Aucune université parmi les meilleures du continent. Il y a des universités qui sont comme des Ligablo. Tu dois nous expliquer comment l'université est tombée sur moi. Nama, quand même, la recherche. Il n'y a pas de recherche. Alors, après tout ça, ce qui a convaincu Bissot, tant mieux. Mais dans toute la mesure possible, il sera établi qu'Azaki est incapable et incompétent d'une façon notoire. Donc, censuré hier. La ligne, parce qu'on dit une bourse, là. Maintenant, on censuré. Bissot, Assemblée nationale. Par votre président. Après tout ça, oui. Ok. Alors, vous déclarer. Bissot, tu vous déclarer. Tu vas voter. Tu vas voter. Ok. Ah, donc vous votez. Tu vas voter. 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 Ah bon. Ce qui est PDG, il y a RTNC, il y a RTNC, il y a RTNC.
Parce que, ben, monsieur, ah, bon, il fallait le canal à RTNC quand même. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi on ne passe pas à l'RTNC? Oui, parce qu'on n'a pas les moyens. Hein? C'est une télévision publique. Ce qui arrive, c'est avant, nous allons voter. Il est censuré. Je peux vous assurer qu'il sera censuré. Il faut Akende. Alors, si Kotanga vous après ça, après vote, après vote, président Kotanga. Bah, Kotanga, rapport. 10 ont été contre, 20 ont été pour. Oui. En définitif, censuré. Si, si. Et ce qui n'est pas. Et ce que Batende rapport n'est pas premier ministre. Ok. Hein? Batende n'est pas premier ministre, il n'a copié pas président Mboka. Et tout ça en vertu à règlement intérieur. Azali n'a. De quoi article 215. Tant que dans le règlement intérieur. Tokosuka quand même toujours qu'il y a un bango bango. Oui. Alors qu'on a toujours. Tant que dans le article 215. 215. Ok. 215, c'est règlement intérieur. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Voilà. On donne la réponse. Donc, ce que tu as censuré, lobby n'a pas 18 heures, pas notifié. Le pauvre Ilunga Ilunkamba, il aura 24 heures pour. 24 heures, pas plus. Jeudi maximum. Pas plus pour remettre sa démission au président de la République parce que son incapacité, son incompétence notoire aura été mondialement, nationalement constatée. Bon, ça l'a engoté, professeur. À ça l'a engoté, le président prend acte. Ça veut dire? Il prend acte que tout seul, son premier ministre en fonction de. Bon, mais donc, quand est-ce que vous voulez, garde, tout. Ah, on a déjà ma logistique, n'a aucune ma logistique. Alors, tout ce qu'on a, c'est quoi, le camoureux professeur? C'est quoi ça, le sujet de la fonction, tu sais? Si on t'a décision, pourquoi on doit te laisser une garde de 20? Bon, ce coutier n'a qu'à tank. Ce coutier n'a qu'à pas capable de battre quelqu'un. C'est quoi, à côté, vous? Mais à cause d'un gars, il n'aura pas les honneurs, comme des premiers ministres. Oh, il a des bons mots. Mais comment? Ceux qui t'ont censuré, aucun n'a qu'à tank, n'a pas fait ses honneurs, tant qu'au cause d'un gars. J'espère, un gars, dans la zone de Mako, même jusqu'à midi demain, il peut démissionner. Oui, moi je crois aussi. Hein? Même jusqu'à midi, même à une minute, le prof Ilunga peut démissionner pour son propre honneur. Pourquoi? Depuis Mboko et Basalango, RDC, à zone indépendance, le 30 juin 60, depuis histoire de la puisque, Batomo, c'est Bazo, mon Amakamo, le col, il y a Pamba. Pourtant, c'est très grave. Depuis le 30 juin 1960, Tokoma indépendant. Premier ministre Ata Moko Balungula une motion de censure. Mbala Liboso il n'est pas un professeur. Donc, il y a professeur Alingé à cause de l'histoire que Aza, la première ministre, va ridiculer ça. Mais parce que demain, on va faire quoi? Si vous venez demain, mais c'est pour montrer, Batine, la bise de ma caméra, il y a sur Mokilimo, mais pour montrer que ce monsieur a dirigé un gouvernement incompétent, incapable. Alors, Sikoyo. Et la presse est nationale et internationale. Ce qui a évité Bissot Makamouane, tout ça de Makamouane a démissionné. Ah, donc sera démissionné pour ça l'emboté. Tout ça l'emboté. Ah, d'accord. Est-ce que, prof, il y a toujours quelqu'un qui a outrage au Parlement? Est-ce que vous avez expliqué Bissot? Parce que, nous avons une émission modèle, on a dit non, autre qui est dans le domaine, il y a prof. Outrage des années. Au moins, article 100. C'est 165, je crois. 165, 166, c'est la Constitution. Il n'y a aucun des. Je crois 165. C'est sur plusieurs articles. Je suis devant vous, hein, donc il ne faut pas arrêter. La Cour constitutionnelle. Ah, ok. Elle... 165 Balobi, la dernière alinéa en haut. Il y a outrage au Parlement lorsque, sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement, sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Bon. Est-ce que tout ça, dans le cas de figure. Bon, Gana Moné, le pauvre Ilunga, c'est quand même un professeur, et puis Azamu Kolo. Bolongole, il y a qui Premier ministre. Et puis, bah, il faut condamner le sujet de la Cour constitutionnelle. Non. C'est bon. On peut lui faire un cadeau. Oui. Hein? C'est quand même trop lourd pour lui, la famille. Mais en principe, c'est ça. Ce sera un outrage. Hein? Ce sera un outrage, mais personnellement, je crois que ce serait trop déjà. Kolongola Kimoto, déjà, qui premier ministre, ridiculisé devant le monde entier, Kazala qui est incapable, incompétent. Même le sujet de la Cour constitutionnelle va bah, condamner. Ah, il y a 10 ans de prison, c'est la boulot ou non? Non, mais ça, bon, ça. Mais professeur Ilunkamba, qu'est-ce qui se passe? Non. On va terminer ce débat. C'est aussi une émission à l'élo. Professeur, il y a un peu de temps pour nous. Il y a un peu de décryptage. Il y a un peu de lobby mardi. C'est vrai que tant que tu as un peu de temps, parce que c'est à la limite, c'est historique. J'aurais bien voulu être député en ce moment. Non, mais c'est parce que là, c'est. Mais c'est historique. C'est historique. Oui. C'est ça qui montre. Les étudiants liront ça. Et oui. Les historiens parleront de ça. C'est historique. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de notre pays. Vous êtes donc au bon moment de l'histoire. Oui. Et puis, même quand je vois l'Afrique,
je ne sais pas dans quel pays ça s'est déjà passé. Où un Premier ministre est tombé comme ça. Est tombé comme ça par motion de censure. Je ne connais pas. J'ai aussi des limites comme professeur de droit constitutionnel. Il y a des détails dans ma histoire. Peut-être qu'il faut voir. Mais à ce stade, je ne connais pas un pays Premier ministre à Pouyaboy. Non, non, le prof Ilunga Ilunkamba, vous êtes quand même notre jeune collègue à l'université. Et je crois qu'en vertu de ce titre-là de professeur de l'université de Kinshasa, et puis en fonction de l'âge, et pour toute la considération que nous avons voulu, il faut éviter ces ridicules-là pour vous-même, pour l'université à laquelle nous appartenons, même à une minute, prière de présenter votre démission pour ne pas vous laisser ridiculiser. Sacré professeur Mbata, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça a toujours été un grand honneur pour moi de recevoir ce grand homme, de recevoir cette intelligence congolaise. Je vous retrouve avec le même plaisir. Je prie rendez-vous. Ça sera exclusivement pour le professeur André Mbata. Il reviendra encore une fois pour nous dire comment ça s'est passé et ce qui va se passer après. Ben, comme il le dit toujours, tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste, et tout constitutionnaliste n'est pas bon. Et tous ceux qui sont bons ne sont pas grands. Alors, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es gagnant, ça, il y a un Congolais. On dit que la yo, à ça, il y a un peu de la yo, on va prendre la yo. On va prendre la yo, on va prendre la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à fait la machine sinon vous n'êtes pas à dire 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 vous Lisa.